L'opposition ukrainienne pro-européenne et les partisans du président Yanukovych se font face à Kiev. Demain promet d'être plus que tendu. À Maïdan, les manifestants sont mobilisés depuis 3 semaines. Campement de tentes, arrivage de nourriture, barricades, tout est plutôt bien organisé, en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Les gens affluent tous les jours plus nombreux, répondant aux mots-clés Euromaïdan sur Twitter ou Facebook, surtout depuis l'assaut des forces anti-émeutes dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Je pense que demain il y aura plus d'1 million de personnes. J'étais là dimanche dernier, il y avait vraiment beaucoup de monde, on ne savait plus où aller. Vraiment, je pense que ce sera super. Les pro-Yanukovych comptent rassembler 200 000 personnes. Une contre-manifestation demain à quelques minutes de Maïdan pour ce qu'ils appellent le jour de la dignité. Hier, le président a reçu pour la première fois les chefs de file de l'opposition. Il s'est contenté d'une promesse d'amnistie pour les manifestants interpellés. Mais rien d'autre n'est sorti de cette table ronde, qualifiée de simulacre par certains.